Nous venons là, un caca au fait nous là.
Come on, shall we? Yes, sir. We. The Mamun. Yes, sir. Hold on. Come on now, yes. Yes, I'm sure.
années plus tard, que deuil reste difficile à faire. Il n'y a pas de destruction encore visible. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 20 années plus tard, beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, adressaient et soignaient les séquelles de ces blessures. Il en est de même dans la nation haïtienne, qui a besoin de ses filles et de ses fils, de penser les traumatismes laissés par ce drame, tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. En effet, si 12 ans plus tard, on a fini d'enterrer nos morts et soigner nos blessés les plus graves, beaucoup de blessures invisibles sont encore ouvertes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce signe de solidarité spontanée. Continuer de soigner ses plaies, en tirer collectivement les leçons, mais aussi pour surmonter nos différents actuels, causes de grande fragilité et de vulnérabilité. Si nous prenons l'envie d'oublier ce terrible tremblement de terre, la nature s'est chargée de nous faire plusieurs pictures de la tête. Le 14 août de l'année dernière, un autre séisme dévastateur a frappé la presqu'île du Sud. Et les secousses enregistrées dans le Sud ces jours derniers sont venues nous rappeler que notre pays est traversé par de nombreuses failles et de vulnérables. Nous devons apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles qui, hélas, ne se limitent pas au tremblement de terre. Car nous sommes situés sur la trajectoire des cyclones. Nous sommes aussi menacés par l'impact des inondations et par l'impact du réchauffement climatique. Ce qui est arrivé en 2010, hélas, arrivera quasiment certainement une autre fois de notre vivant. Nous avons ni le jour ni l'heure. Séparés pour nous parler. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité et à la brièveté de la vie. Réflexion aussi sur la nécessité de bien utiliser les jours pour se donner pour construire un environnement et une société où il fait bon vivre. Le 12 janvier, c'est un moment nous faire un petit garder derrière et puis poser des questions tout ça nous fait depuis 12 ans pour nous reconstruire le pays. Je dis nous haïtiens, c'est un peuple qui est résilient. Pour moi, résilience pas veut dire résignation. Il va veut dire non plus m'en fous bien. Je dis en plus de milliards de dollars dépensés sous monde, mais nous obligés à l'être. Personne ne va pas montrer côté toute l'agence à passé et nous toujours en pile bagaille pour nous reconstruire. 12 janvier, c'est une occasion pour nous rappeler tout le monde dans l'État, dans le secteur privé, pour nous respecter les normes sismiques. Ak norm anticyclonique, les nappes construites. Ça a coûté un type calme, piché. Mais ça a garanti que la construction a résisté bien à toute catastrophe naturelle. Le tremblement de terre, 12 janvier, ce n'est pas qu'il seulement écrasé. Écrasé toute l'économie paysanne. Et ça prend un peu de temps pour nous retourner dans le niveau nous payer avant le séisme. Pire, parce que catastrophe naturelle, ces catastrophes chrétiens vivants provoquées eux-mêmes.
Ou pas qu'à dire, c'est tremblement de terre qui détruit valeur morale dans la société nous. Qui fait aujourd'hui, vie nous ne pas veut dire rien, nous n'avons pas qu'être à tout fait. Qui croit que nous devons tuer un président, faire tentative d'assassiner son premier ministre, gagner cervelle, paisible citoyen, qui a passé dans une camionnette sans raison. Nous n'avons pas qu'à prévoir ni empêcher comme un tête, mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi pour vivre et comporter nous dans l'autre genre à plus d'humanité. Ce n'est pas tremblement de terre qui gravait toute institution démocratique pour nous. Qui fait aujourd'hui, nous n'avons pas un parlement fonctionnel. Qui fait nous pas qu'à. Nous ne pouvons pas organiser une bonne élection dans l'heure de la fête. Si nous voulons, si nous mettons nous d'accord sur ça, nous pouvons changer la situation maloute. La ma situation maloute, le pays a trouvé une journée. Le 12 janvier, c'est un bon moment pour nous demander qui côté nous voulons aller à le pays. Ce n'est pas un moment. Continuer dans Chirépit, bataille l'un contre l'autre, servir à violence pour caser l'autre. C'est des préférences en moment où nous cherchons la paix à grand temps. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'économie noire. Sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'institution démocratique de l'Europe. Sans la paix, nous ne pouvons pas faire élection. Sans la paix, comme qu'à jouer une personne qui vient investir dans le pays qui crée un pouvoir pour jeunesse. Sans la paix, tout ne va pas revenir en Haïti. Sans la paix, nous ne pouvons pas recommencer à vivre normalement en toute liberté. Sans la paix, l'école ne peut pas recommencer à fonctionner dans certains quartiers. Sans la paix, l'État ne peut pas bailler le peuple à service tout partout. Va profiter pour voyer mon gros coup de chapeau. Va compatriote dans la saline. Qui mettait les deux ensemble et entendu pour créer conditions pour ouvrir le lycée qui nous zone et qui est fermé depuis plus de 3 ans. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça. Les citoyens yo, qui prennent l'initiative là. Et le ministère de l'Éducation nationale accompagne eux. Vous mettez ici en état. Installez ça informatique. Ça permet de plus passer 1000 timons dans la zone là. Vous êtes obligé à l'école bien loin, dans de mauvaises conditions, pour rejoindre une bonne école pour ouvrir la caille. J'exhorte le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à mettre tout en œuvre pour renforcer tant au niveau des enseignants que des élèves et étudiants la bonne compréhension des enjeux relatifs aux risques, aux catastrophes et à leurs effets néfastes. Pour cela, tous nos élèves, qu'ils soient de la Saline, de Cité Soleil, de Gratissant, de Bel Air, du Grand Sud ou d'ailleurs, sans exception aucune, doivent être en salle de classe afin que tous les citoyens sachent comment mieux se comporter, se protéger et protéger la vie des autres. L'éducation sans exclusion nous permettra d'améliorer notre maîtrise des risques et notre préparation pour une réponse efficace. Un relèvement rapide après le désastre. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement continuera d'appuyer les communautés dans leur désir de voir les portes des écoles ouvertes partout sur le territoire national. L'État travaille actuellement à rétablir la continuité éducative partout sur le territoire national. L'État a une obligation envers les citoyens. Nous avons besoin de retrouver la paix. Nous avons fait ça.
penser en particulier à service pour rebailler toute victime du tremblement de terre du janvier qui handicapé aujourd'hui. Il y a un pire capitaine de l'État à la société qui fait deux voyous envers nous. Je vais vous donner beaucoup de chapeau à toute organisation qui travaille à zone pour aider les handicapés. On va regarder avec le gouvernement qui j'en ai fait 12 janvier, un jour spécial, un jour où dans toute l'école, dans toute l'administration, dans toute entreprise, tout le monde fait un petit temps pour faire sensibilisation sur catastrophe naturelle en général et sur le tremblement de terre en particulier. Tout ça, on a dû rappeler tout le monde. Pour vous comporter dans calme et circonstances. Ils savent tout pour centre d'opération d'urgence au niveau national, départemental et communal, égal, organiser des stimulations et faire exercice pour tester le système et pour vous parler. Effort qui permet de cérémonie sa fête ici. D'abord, il dit tout le monde. Il t'a aidé que le rassemblement sa fête. Merci. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, le gouvernement a travaillé pour les pays à gérer plus bien la catastrophe sa yo, parce que nous devons dire plus bien préparer nous. Pour apprendre qu'on suit plus vite et plus bien. Nous devons apprendre à construire ça qui est écrasé, reconstruire chaîne solidarité, chaîne fraternité avec l'amour, pour bâtir une nation solidaire qui prépare pour toute qualité du genre. Haïti doit changer. Pour sa fête, même haïtien, nous devons changer. Changer notre comportement, nous. Changer dans les gens nous choisissons pour nous vivre ensemble. Changer notre façon de reconstruire la caille, de reconstruire l'infrastructure, de reconstruire l'institution. Et je n'ai pas reconstruire la valeur morale. Je dis à nous tous ensemble, nous, chaque individuellement, nous avons une responsabilité pour nous écrire la prochaine page dans l'histoire du pays. Ça, le pays a été allié demain, après-demain. C'est ça que nous choisissons aujourd'hui pour nous faire la poule. D'un côté, c'est démocratie, respect pour la loi, respect pour l'on. L'autre, respect pour la vie, respect l'une pour l'autre, qui a guidé le comportement de nous chaque. Un pays qui a résisté à toute catastrophe naturelle, qui se tremblement d'elle, qui se cyclone. Un pays côté nous qui a vivre et mener activité nous. Chaque jour, ça nous pas besoin de peur pour la vie. Que mon Dieu bénisse Haïti et bénisse chaque jeune haïtien. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'effort d'être là et de l'entourage. Moi, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Hommage à des amis.
Je vais visiter des unités. Merci.